Bonsoir à tous. Anne Lafont doit être avec nous, j'espère. Bienvenue et merci à ceux qui ont bravé le froid, le Covid et tout le reste d'être ici avec nous. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir, c'est à la fois un honneur et surtout un très grand plaisir, d'accueillir Christophe Prochasson, historien bien connu, et accessoirement président de l'École des hautes études en sciences sociales. Et je vais laisser Anne Lafont présenter notre intervenante ce soir. Anne ? Merci beaucoup. Merci, pardon. Merci Anne-Christine. Merci Christophe Prochasson d'être là et de venir ouvrir voilà, ce premier cycle de ces conférences consacrées à la transmission. Donc, c'est vraiment une joie pour nous de t'accueillir ici, puisque on en est là. Donc, après nos disciplines, enfin l'anthropologie pour Anne-Christine et l'histoire de l'art pour moi, et la question de la transmission que nous avons essayé de présenter la semaine dernière, nous sommes très heureuses donc d'accueillir un historien pour ouvrir donc cette réflexion qui se déclinera en 4 conférences sur l'école. Et d'autant plus que c'est une forme d'institution clé, enfin ce sera à voir justement avec Christophe Prochasson, de la République française, et que c'est un chantier qu'il a travaillé à la fois comme historien, mais aussi dans lequel il est intervenu du point de vue de l'action publique. On y reviendra. Donc, nous allons voir au cours de ce cycle les différents avatars de l'école, à la fois dans les quartiers périphériques, avec Fabien Truong. Nous verrons aussi l'école en contexte colonial et postcolonial en Afrique de l'Ouest avec Pascal Barthélémy, mais aussi la question de l'ethnoéducation dans un cas par l'anthropologue Steve Hugh Jones en Colombie. Donc, nous avons plusieurs occasions, en quelque sorte, de penser l'école et la question de la transmission au sein de l'école telle qu'elle est pensée en différents points du monde. Mais nous ouvrons donc ce cycle autour de la question en France avec Christophe Prochasson. C'est à partir de ses réflexions sur la question des différentes formes de savoir et de connaissances historiques en ce qu'elles croisent finalement les différentes formes d'intervention politique ou d'action publique qu'il interviendra ce soir. Et c'est intéressant de penser que justement sa conférence sera une forme de réponse qui n'était pas anticipée mais qui tombe pile, si on peut dire, une réponse à une question que nous avons eue la semaine dernière précisément autour de... dire un peu rapidement les libertés académiques et la question de comment les chercheurs continuent à faire leur travail indépendamment de l'agenda du pouvoir politique et s'il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour protéger les chercheurs. Alors, ça sera un autre aspect des liens entre histoire et politique ou la recherche et le monde politique qui sera abordé ce soir. Et Christophe Prochasson s'imposait à nous finalement pour être le premier à prendre la parole parce qu'il est, comme je le disais précédemment, à la croisée donc, des deux mondes et qu'il a effectué ce croisement précisément autour et à propos du chantier éducatif. Alors, il est historien et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et accessoirement, bien évidemment, comme le disait Anne-Christine, président de cette institution. Il a conduit une carrière au sein de l'EHESS depuis la fin des années 80 et c'est un historien des 19e et 20e siècles, donc du monde contemporain, de l'histoire des socialismes en Europe et de l'histoire des intellectuels, notamment autour de la Grande Guerre. Donc, il a fait 2 incursions dans le monde politique, la première en tant que recteur de l'Académie de Caen, donc de 2013 à 2015, et la seconde en tant que conseiller du président Hollande pour l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche entre 2015 et 2017. Et d'ailleurs, j'anticipe un tout petit peu, mais peut-être qu'on en reviendra plus tard. Il m'a semblé que la fin du premier mandat en tant que recteur et le début du second en tant que conseiller du président se situe au milieu, finalement, si j'ai bien lu ta biographie, se situe au milieu des 2 attentats de 2015. C'est-à-dire entre celui du 7 janvier et celui du 13 novembre. Et je me demandais à quel point, voilà, mais je sens que la conférence y répondra peut-être en partie et on pourra y revenir éventuellement, à quel point ce rapprochement, en quelque sorte, hein, je ne sais pas si c'était un poste qui existait déjà, a pu être forcé par les événements qui ont donc traversé la France au cours de cette année 2015.
Et puis, il est donc, comme je le disais, actuellement président de l'EHSS et depuis novembre 2017. Sa conférence de ce soir est intitulée Le passé au présent, historiographie et politique. Et elle fait écho, en fin de compte, à une publication récente de Christophe Prochasson. Enfin, il y a de nombreux livres, évidemment, que l'on peut lire de lui, comme L'Empire des émotions, Les historiens dans la mêlée de 2008, qui déjà abordait la question, justement, des émotions dans l'écriture de l'histoire. Hein. Et puis, également, des travaux autour de l'affaire Dreyfus, notamment. Et puis, la conception, la codirection de dictionnaires, en l'occurrence de la République. Mais cette conférence de ce soir est en partie tirée donc, d'un ouvrage qui vient de paraître, qui est paru il y a 2 ans, en 2019, « Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État », donc chez Fayard en 2019, et qui, je crois, donne lieu finalement à cette conférence que nous allons écouter aujourd'hui. Donc, cher Christophe, je te donne la parole et je suis bien là, bien que virtuellement. Voilà. Merci. Merci. Oula. Oui, c'est bon. Bon. Merci beaucoup, chère Anne, pour cette présentation tout à fait bienveillante, trop bienveillante, qui me donne presque le sentiment d'être à la fois mort et vivant. Donc, je ne sais que répondre. À cette présentation, mais je ne suis pas là pour y répondre, à vrai dire. Et je voudrais vous remercier toutes les deux de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour prononcer cette conférence qui sera aussi tout autant, je crois, un échange, enfin je l'espère en tout cas, que je vais introduire par quelques réflexions qui touchent en effet ma discipline et qui vise un peu à interroger les façons dont l'histoire est transmise et reçue, appropriée, instrumentée aussi dans l'espace public et notamment, je m'y arrêterai peut-être un peu plus, par la classe politique. La France est une nation d'historiens et d'historiennes. Elle consomme, je crois, de façon tout à fait remarquable au regard d'autres nations, beaucoup d'histoire. Et d'ailleurs, j'observe lorsqu'il m'arrive de discuter avec ça m'arrive assez souvent, à vrai dire, des collègues étrangers, que nous sommes un peu enviés par nos collègues historiens, historiennes, qui remarquent que nous avons voix au chapitre. Souvent beaucoup plus que... Je ne sais pas si cette situation est durable, je ne crois pas d'ailleurs, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Et c'est de ce constat-là, en tout cas, que l'on pourrait partir. Alors, avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, il me semblait indispensable, nécessaire, en tout cas, de faire un peu un état des lieux qui permettent de comprendre ce qui se passe avec l'histoire aujourd'hui. D'ailleurs, on est dans le cadre aussi d'une campagne électorale où l'histoire est devenue une matière à controverse. Et j'aurais voulu attirer votre attention sur deux ou trois aspects qui me paraissent importants et rendre possible précisément ces usages de l'histoire. Je crois que la première chose qui m'avait frappé, Anne, tu faisais allusion à ce petit livre que j'avais publié en 2008, en effet, il y a eu comme un, comment dirais-je, un tournant sensible de l'historiographie qui a transformé, je pense, profondément une certaine façon de faire l'histoire. Alors, il ne faudrait pas opposer un âge peut-être d'or de l'histoire qui aurait été une belle discipline qui se serait développée sous le régime de la raison, du savoir, contre un âge qui serait le nôtre où les émotions et le rapport sensible à l'histoire se seraient imposés. Après tout, Michelet est tout à la fois un grand savant et un écrivain qui sait agir sur les émotions. Mais il est un fait, c'est une chose qu'on peut observer,
que ce tournant sensible est, se manifeste à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau que je voulais évoquer rapidement, c'est la façon dont, depuis les années 80, les commémorations ont pris une part tout à fait importante dans la vie de la cité, et que la notion de mémoire et de lieu de mémoire, qui a donné lieu, comme vous le savez, à une œuvre importante sous la direction de Pierre Nora, s'est un peu imposée. Et qu'est-ce que c'est qu'une commémoration ? Eh bien, une commémoration, c'est un événement qui met en pratique un travail de l'esprit qui mobilise précisément tout à la fois des savoirs et des sentiments. Et pour être tout à fait précis, il me semble qu'on peut dire que l'acte commémoratif soumet les sentiments, ou plus exactement, excusez-moi, soumet les savoirs aux sentiments. Et on y voit bien que le présent y institue en quelque sorte un rapport ancillaire au passé. Le passé est mis sous la coupe du présent, ce qui a conduit un certain nombre d'historiens, je pense à François Hartog par exemple, à décrire ce qu'il appelle, à la suite de l'historien allemand Reinhard Koselleck, un régime d'historicité, c'est-à-dire un rapport au temps, ce qu'il a appelé, dans le sillage d'ailleurs de Koselleck, un présentisme, c'est-à-dire une espèce de dictature du présent qui commande ce rapport au passé. La commémoration s'inscrit précisément, me semble-t-il, dans cet horizon présentiste qui me paraît un élément important. Ce qui va avec, d'une certaine façon, c'est que, du coup, la pratique commémorative, tout le monde s'est emparé, et pour employer un mot qui mériterait la discussion, toutes les communautés s'en sont emparées autant d'ailleurs que les individus. Je vais prendre un exemple précis. Quand je dis communauté, évidemment, je pense d'abord à la communauté nationale, qui est une communauté parmi d'autres et qui a été, comme le montre très bien d'ailleurs le travail de Nora, une façon de souder la nation. Comment une nation laïcisée qui s'est débarrassée de son lien religieux s'est réinsérée en quelque sorte dans l'unité par la commémoration la référence au passé. Mais cela est vrai évidemment d'autres communautés, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient culturelles et qu'elles soient aussi, j'y reviendrai dans un instant pour détailler l'affaire, politique. Quand je dis communauté politique, je pense à des sensibilités, je pense à des partis, je pense à des groupes qui font un usage justement de l'histoire tout à fait communautaire, c'est-à-dire dans lequel elles puisent une identité. Il y a un autre point sur lequel je voulais aussi attirer votre attention, et que, au fond, comme d'ailleurs l'avaient engagé des collègues anthropologues dans une réflexion très intéressante sur l'histoire, la façon dont s'est répandue ce qu'ils appelaient une histoire à soi, le passage pour la grande histoire par l'histoire de soi, est aussi un trait qui mérite d'être tout à fait examiné. Je vais vous donner un seul exemple qui m'avait beaucoup frappé justement au moment où j'exerçais provisoirement et latéralement des responsabilités, la façon dont on a célébré le centenaire de la Grande Guerre il y a quelques années. Il y a eu un événement, une pratique que j'ai trouvée très de son temps et très en référence à ce que j'essaye de vous décrire, qu'on a appelé la grande collecte. C'est-à-dire qu'on a su sensibiliser, et c'était le but, et c'était une commande d'État d'ailleurs, sensibiliser et impliquer les citoyens dans la commémoration de la Grande Guerre, événement pas commode à commémorer, il faut bien le dire, parce que on ne pouvait plus commémorer comme on le faisait autrefois une victoire qui n'avait plus grand sens au temps de la construction européenne et de la réconciliation franco-allemande, mais on ne pouvait pas non plus commémorer
simplement une boucherie. Et il était difficile de commémorer, comment dirais-je, une mémoire qui avait souvent brisé les familles. Donc, on s'est beaucoup posé la question et l'État a décidé donc de demander à chacun et chacune de récupérer dans sa famille, donc de renvoyer chacun à la mémoire familiale pour alimenter la mémoire nationale. Et ça a été un succès considérable, au point d'ailleurs que on a eu un projet ultérieurement de faire aussi une grande collecte pour d'autres événements, pour d'autres guerres, et en particulier une guerre coloniale comme la guerre d'Algérie. Alors, ces quelques traits, je voudrais avancer un petit peu plus dans la description et surtout dans la qualification. Je disais en effet tout à l'heure qu'en particulier, c'est là-dessus que je voudrais attirer l'attention maintenant, que les groupes politiques, les partis politiques, les sensibilités politiques avaient un usage que je trouvais tout à fait intéressant à analyser en termes d'usage commémoratif et présentiste. Ce qui m'a conduit à essayer d'avancer une notion que je soumets à votre réflexion, qui vaut ce qu'elle vaut, la notion que j'ai appelée, vous allez voir pourquoi, de cliomimétisme. De cliomimétisme, qui est un terme que je forge comme cela, en référence bien sûr à ce qu'on appelle le biomimétisme, qui assoit, comme vous le savez, l'innovation technologique sur l'observation des subtils montages présents dans la nature. Vous savez que les ingénieurs, en tout cas certains d'entre eux, s'efforcent de reproduire les inventions du monde naturel pour résoudre certains défis qu'ils se sont dotés. Eh bien, c'est par référence à cela que j'ai observé en effet que les acteurs politiques, alors quand je dis acteurs politiques au sens le plus large, ils peuvent aller des dirigeants au plus haut niveau de l'État, des responsables politiques, mais aussi des militants politiques, eh bien, ces acteurs politiques puisent, c'est une observation qu'on fait très souvent, dans un passé plus ou moins lointain, non seulement pour en extraire, en quelque sorte, des vignettes illustratives de leur action, et à même d'illustrer ou de l'illustrer ou de la défendre, mais aussi vont chercher dans l'histoire des modèles inspirants indiquant la voie à suivre. Et là, on le mesure très bien, je vais essayer d'être un peu plus précis, dans une histoire militante en particulier, telle qu'elle s'est souvent écrite, puisque c'est un terrain d'observation que je fais comme historien très régulièrement, dans l'histoire militante, une histoire militante qui est à la fois apologétique et cliomimétiste dans le sens où je l'entends. C'est-à-dire que l'usage de cette histoire-là ne répond pas seulement au besoin de célébrer le passé, un passé dans lequel on se reconnaît, mais qui aussi, ce passé, constitue un monde ou un ensemble de possibles, en général non advenus, et qu'il suffirait en quelque sorte de reprendre pour réouvrir l'avenir. D'une certaine façon, vous le voyez, le passé s'institue donc comme pilote du présent, désormais, et redevient ce que les anciens appelaient magistra vitae, c'est-à-dire maîtresse de vie, comme un renvoi donc à un régime d'historicité que l'on croyait pourtant disparu. Alors, ce point, je voudrais l'illustrer maintenant par quelques exemples très précis. Des acteurs historiques, tout au long de l'histoire du 19e et du 20e siècle, ont en effet régulièrement tourné les yeux vers des événements dont ils souhaitaient retrouver, en quelque sorte, la trame narrative pour, comme je le disais, entamer, poursuivre ou ouvrir de nouveau une histoire. Les révolutions atlantiques, ce qu'on appelle les révolutions atlantiques françaises et américaines, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, ont ainsi fonctionné en miroir. La révolution française,
par rapport à la Révolution américaine. Moins d'un siècle plus tard, la Commune de Paris a repris, elle, à son tour, des schémas des révolutions précédentes. La Révolution française, mais aussi celle de 1848, résonne dans la Commune de Paris. À l'étranger, la Commune de Paris, des ouvrages l'ont montré récemment, ont été copiés. On connaît la fameuse réaction de Lénine au moment de la révolution bolchéique, dès lors que la révolution bolchévique avait franchi une certaine durée plus longue que la Commune, qui avait montré à Lénine que le chemin était le bon, mais pas seulement lui. La Commune a servi aussi de modèle pour d'autres communes à l'étranger, notamment la Commune de Carthagène en 1873, qui est alimentée par la réplique, ou se veut la réplique en quelque sorte, de la Commune de Paris. Et on pourrait d'ailleurs reprendre de façon très, très amusante ce que disait, évidemment d'un point de vue très conservateur, ou oui, conservateur, Raymond Aron, qui disait d'ailleurs, reconnaissant qu'il avait là un effet d'humeur, ses remarques sur le mouvement de mai 68, où il ne voyait qu'un rejeu des vieilles révolutions qu'il avait précédées. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même dans ce texte. « Nous avons tous, écrit-il, au cours de cette période, joué un rôle. Je commence par moi-même, je vous l'ai dit, moi j'ai joué Tocqueville. Ce qui ne va pas sans quelque ridicule, confiait-il, vous voyez, avec beaucoup de lucidité. Mais d'autres ont joué Saint-Just, Robespierre ou Lénine, ce qui, tout compte fait, était encore plus ridicule. » Mais pour bien balancer les choses, chez Marx lui-même, qui, comme vous le savez, était un historien de talent, qui a, et en même temps, évidemment, un acteur politique de premier ordre au XIXe siècle, condamne cet usage intempestif et naïf de l'histoire, selon lui, auquel il lui paraissait que le mouvement ouvrier avait souvent, en France, avait souvent trop recours et du coup s'enlisait dans des schémas passés qui conduisaient le mouvement ouvrier sur de mauvaises routes. Dans une lettre, il écrit « Le drame des Français, aussi bien que des ouvriers, ce sont les grands souvenirs. Il est nécessaire que les événements mettent fin, une fois pour toutes, à ce culte, observez l'expression, à ce culte réactionnaire du passé. » Voilà. Alors, on pourrait évidemment multiplier les exemples, mais il est clair que ces usages de l'histoire ont été fréquents, répandus. On le voit d'ailleurs dans des périodes très, très contemporaines encore. Aujourd'hui, si vous vous penchez sur la façon dont le mouvement des Gilets jaunes a été interprété, par certains observateurs, par certains analystes, et des rejets d'histoire de référence notamment à la Révolution française, mais pas seulement. On pourrait aussi se pencher du côté de l'histoire économique et interroger d'ailleurs les analyses des économistes eux-mêmes qui, travaillant avec l'idée de cycle, ont le sentiment que, un peu à la mode de Vico, l'histoire est faite de tours et de retours permanents, d'un éternel retour des crises qui se répondent l'une à l'autre. C'est la plus grave crise depuis 1929, c'est la crise la plus profonde depuis la Grande Dépression de la fin du XXe siècle, etc., etc., etc. Je n'insiste pas là-dessus, je pense que vous aurez à peu près compris ce que je voulais entendre par ce rapport particulier à l'histoire qui me semble tout à fait caractériser la conjoncture historiographique dans laquelle nous nous trouvons. Alors, je voudrais maintenant en venir donc plus précisément à ces usages politiques du passé tels qu'on peut les observer aujourd'hui.
J'ai pas regardé du tout la montre, donc il faut me couper le sifflet, Anne. Hein? Non mais comme je ne sais pas où j'en suis, n'hésite pas. Alors. Tu as parlé un quart d'heure, 20 minutes, donc tu peux tout à fait continuer. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Très bien. Bien. Alors, je le disais rapidement en commençant, en disant que la France était une nation d'historiens et d'historiennes. Ce qui me frappe, et on l'observe, je le disais aussi en commençant, aujourd'hui, plus que jamais, le discours politique français, c'est à noter, est caractérisé par une forte consommation de références historiques. On pourrait dire, pour essayer de comprendre cela, que parmi tous les traits modernes introduits dans la vie politique par la Révolution française, si tant est qu'on fasse de la Révolution française le moment d'entrer dans une séquence dans une longue durée dans laquelle nous serions peut-être encore, qui sait. Il est clair que la Révolution française, comme le montre François Hartog, a introduit un nouveau régime d'historicité. C'est-à-dire, au fond, ce régime d'historicité, dont je répète, ce rapport au temps, ce rapport à l'histoire, qui conduit les acteurs à construire un avenir, à regarder un avenir, comme le disait le philosophe Saint-Simon, je dis le philosophe, pas le mémorialiste, disant que l'âge d'or n'était plus derrière, mais devant nous. Alors, partons de cela, d'une Révolution française, donc au centre du débat politique, et où le rapport donc, à l'histoire occupe une place centrale. Ce point est très important, même si certains lui ont contesté cette prétention, en rappelant, comme le faisait Tocqueville, que la Révolution française s'inscrivait aussi dans un héritage qu'elle avait peine à transformer, d'ailleurs, disait Tocqueville, puisque le renversement de la souveraineté au profit du peuple n'avait endommagé, selon Tocqueville, n'avait endommagé ni la puissance, ni la centralité de l'État. Et par ailleurs, comme on le remarquait aussi, comme je vous en faisais un peu l'écho à l'instant, par ailleurs, d'autres révolutions l'avaient précédé, la Révolution anglaise de 1688, ou l'insurrection américaine des 13 colonies quelques années avant, qui avait aussi noué l'une et l'autre avec le passé un pacte particulier, la Révolution française effaçant l'Ancien Régime ou souhaitant l'effacer, mais ces autres révolutions, anglaises ou américaines, ayant avec le passé un tout autre rapport distinct de l'effacement voulu par une partie des révolutionnaires français. Au contraire, si on prend le cas d'ailleurs de la Révolution anglaise, il s'agissait plutôt de renouer avec le passé beaucoup plus que d'effacer le passé. C'est ainsi donc qu'ont défilé tout au long du XIXe siècle, à la suite de cet événement majeur de la Révolution, de grandes figures historiques, politiques, pétries de culture historique. Pour entrer dans le champ politique, il faut être historien. Que nul n'entre ici s'il n'est historien. Telle est la formule, d'une certaine façon, qui aurait pu être celle des hommes politiques du XIXe siècle. Et en démocratie, notez-le, y compris sous les formes les plus dégradées, de nouvelles pratiques du temps ont imposé une relation intime avec l'histoire. La démocratie institue un temps propre, pensons simplement au rythme des élections, qui, évidemment, est une radicale nouveauté. Les grands acteurs politiques, disais-je, sont des historiens. On pourrait en citer quelques-uns. Vous les avez sans doute en tête comme moi. Chateaubriand, Guizot, Thiers, j'ai cité Tocqueville,
pour ne citer que les premiers rôles, pensaient leur action, toujours à la lumière du passé, à commencer par cette matrice, cette révolution française qui peinait tant à se fermer. Comment alors, comme je le disais, imaginer un historien qui ne fut pas, un homme politique, pardon, qui ne fut pas historien. L'histoire, disait-on avant, passait pour le bréviaire des rois, mais l'histoire est aussi le bréviaire des démocrates. Bien, alors, une fois installée dans la durée sous les espèces républicaines, la démocratie qui se dégage difficilement, progressivement, de la Révolution française, a gardé tout cela. Et évidemment, les grandes figures qui enchantent la Troisième République sont, d'une certaine façon, tout à fait fidèles à ces premiers hommes politiques, historiens, qui ont, pour certains d'ailleurs, été, je pense évidemment à Chateaubriand, des témoins directs de l'histoire en train de s'effaire. Alors, il y a une figure que je ne peux pas m'empêcher de vous citer parce qu'elle m'est extrêmement familière, mais qui incarne évidemment très très bien cette nouvelle génération d'acteurs politiques pétris d'histoire, pas seulement d'histoire, mais en l'occurrence beaucoup d'histoire, puisqu'il est l'auteur d'une grande histoire, Jaurès. Jaurès, qui est sans doute l'un des exemples les plus brillants, parce qu'il est sans doute d'ailleurs l'un des derniers grands auteurs, auteurs d'une histoire de la Révolution française, hein, entre celle de Thiers et celle de Jaurès, il y en a eu bien d'autres, je pense à celle de Louis Blanc par exemple, mais c'est une veine évidemment qui s'est totalement épuisée après dans le XXe siècle. Personne ne s'est engagé dans une telle entreprise. J'observe d'ailleurs, c'est une chose assez intéressante à noter, que l'histoire socialiste de la Révolution française, puisqu'elle est qualifiée, elle est qualifiée ainsi, l'histoire socialiste de la Révolution française, a été en son temps tout à la fois une histoire militante, à destination des militants, donc qui choisit son camp, si vous le voulez, mais aussi une histoire qui a servi l'histoire savante et qui est saluée comme telle, avançant d'ailleurs des propositions historiographiques radicalement nouvelles, notamment en accordant toute sa place à l'histoire économique et sociale. Alors, se sont inscrits, évidemment, pendant toute la Troisième République et après la Première Guerre mondiale aussi, dans cette veine, dans cette tradition de lien entre histoire et politique. Et je voudrais citer quelqu'un de la même famille, cette famille que j'étudie et connais bien, Léon Blum, qui tirait, d'ailleurs formule sur laquelle il faudrait s'arrêter, des leçons de l'histoire. Et je renvoie à mes brèves remarques sur le cliomimétisme, des leçons de l'histoire pour relancer un socialisme qui avait été éprouvé par la guerre. Voilà ce qu'il disait, et vous allez voir qu'il est plutôt dans un rapport critique à cela. En France, je l'ai dit déjà, écrit Léon Blum, nous commençons à avoir une certaine habitude des révolutions. Il écrit cela en 1919. Nous commençons à avoir une certaine habitude des révolutions. Il y a des précédents, il y a une sorte de jurisprudence révolutionnaire, il y a toute une technique révolutionnaire qui se dégage d'un ensemble d'événements que nous connaissons tous. Eh bien, que prouvent-ils ces événements? Ils prouvent que lorsqu'un régime nouveau, qu'il soit politique ou social, peu importe, a renversé le régime existant, ce mouvement est condamné d'avance à l'échec s'il s'en remet immédiatement pour se justifier et se légitimer aux institutions du régime politique, économique ou social qu'il vient d'abolir. Voilà donc cette tradition qui s'est poursuivie. Et je voudrais en venir
Pour finir ce tour d'horizon trop rapide, évidemment, entre histoire et politique, à un travail que j'avais trouvé fort intéressant et qui va un peu être clore ce premier panorama. En 2012, un ensemble de journalistes, une équipe de journalistes emmenée par le producteur de France Culture, Emmanuel Laurentin, avait décidé d'aller étudier ce qu'il avait désigné comme l'imaginaire historique des candidats à l'élection présidentielle de 2012. Je voudrais vous en dire quelques mots parce que on y trouve évidemment des éléments très intéressants et la manifestation peut-être d'un changement dans le rapport, peut-être moins d'ailleurs dans le rapport à l'histoire que dans la culture historique et que dans la densité de cette culture historique dans les candidats. Alors, il faut bien, je vous rappelle les candidats de l'époque, on les a un petit peu oubliés. Il y avait des gens de nature très différentes. Je vais plutôt vous décrire les choses. Mais évidemment, il y avait un candidat par lequel. D'ailleurs, je voudrais commencer, qui était l'ancien président de la République lui-même. Il s'agissait de Nicolas Sarkozy. Mais, excusez-moi, avant cela, peut-être qu'il faudrait signaler un ou deux éléments de contexte. Le changement du rapport à l'histoire qui frappe dans cette enquête, il tient aussi tout simplement à l'écoulement du temps. En France, à la tête de l'État, ce changement de rapport à l'histoire est particulièrement visible. En effet, depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, c'est pour ça que son cas est intéressant ici, l'histoire, et celle de la Deuxième Guerre mondiale en particulier, a cessé d'être consubstantielle à la personnalité de tous les présidents qui avaient été quand même fortes sous la Ve République. Il y avait évidemment l'histoire fait homme, d'une certaine façon, avec Charles de Gaulle, et même son premier rival, François Mitterrand, qui était lui aussi, bien que d'une génération évidemment beaucoup plus jeune, mais qui portait les cicatrices de la guerre. Je vous rappelle que Georges Pompidou, successeur direct de De Gaulle, qui est pourtant celui qui avait été le moins marqué par la Deuxième Guerre mondiale, en avait souffert quelque peu d'ailleurs, d'avoir en quelque sorte échappé à cette cicatrice de la guerre. Et ce n'est donc pas tout à fait un hasard si les deux suivants qui ont avoué leur affection pour Georges Pompidou, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, avaient, eux, totalement échappé à la guerre en raison, l'un, de son trop jeune âge, puisque Jacques Chirac était né en 1932, et l'autre pour être né complètement après. Et on peut continuer, évidemment, avec Nicolas Sarkozy, donc, dont je parlais. Ça a été aussi évidemment le cas de François Hollande. Et alors, que dire du président de la République actuel, né en 1977, où le rapport à la Deuxième Guerre mondiale est définitivement dissous, totalement absent. On ne peut pas ne pas prendre en compte ce genre de considération, comprendre qu'il s'est passé quelque chose et que le rapport tragique à l'histoire qui avait marqué les personnages historiques qui avaient été promus à la tête de l'État, s'est dissipé. Mais j'en reviens à cette petite enquête qui me paraît très intéressante.
Alors, à l'époque, donc, se trouvait notamment un candidat, un de ceux, sans doute, qui, dans cette petite population, entretenait le rapport à l'histoire le plus dense. Je veux parler, puisqu'il était déjà candidat, de Jean-Luc Mélenchon, et qui, à sa manière, donc, reproduisait ce qu'on pourrait qualifier d'une mémoire traditionnelle de la gauche française, avec des références au Front populaire, aux années 30, à la Résistance, mais pas seulement, puisque, évidemment, ce qui pèse beaucoup dans sa réponse aux enquêteurs, c'est le rapport à la Révolution française, et une Révolution française saisie d'ailleurs par de grandes figures de la Révolution française, des héros dans un récit héroïque, Robespierre, Saint-Just, bien sûr, et tout un ensemble de moments épiques de la Révolution française. En fond, un grand récit qui permet une identité. Il en va tout à fait différemment, vous voyez, d'autres personnalités de gauche dans cette enquête des candidats de 2012. Si on prend le cas de François Hollande, donc, qui sera élu à ce moment-là, on y retrouve aussi une partie de cette mémoire classique de la gauche, Front populaire, qui est décidément intouchable, et des années 30, mais s'y ajoute une référence insistante au modèle républicain et à l'histoire de la République et surtout de la Troisième République, avec d'ailleurs un partage qui n'est peut-être pas tout à fait innocent en 2012, il faut savoir situer politiquement le propos, partage avec le candidat centriste François Bayrou, qui lui aussi ne dissimule pas son attachement d'ancien ministre de l'Éducation, qui ne s'appelait pas l'instruction publique, mais d'ancien ministre de l'Éducation nationale à un de ses prédécesseurs, évidemment Jules Ferry, et à l'œuvre de la Troisième République en la matière. De même qu'on ne sera pas tout à fait étonné de voir que le leader trotskiste Olivier Besancenot, candidat en 2012, lui passe par l'évocation de moments évidemment relevant du répertoire révolutionnaire, la Commune, et de personnages comme Louise Michère. J'observe cependant que lorsqu'on regarde un peu plus près, bon, ça ce sont presque des références attendues, mais la façon dont on, puisque vous réfléchissez sur la transmission, la façon dont tous ces acteurs politiques parlent de leur connaissance historique et la façon dont ils ont acquis leur connaissance historique. On le voit chez Jean-Luc Mélenchon ou chez François Hollande, etc. Ça passe par l'école, c'est évident. Mais c'est un trait intéressant. Dans le cas d'Olivier Besancenot, on est plutôt dans le registre de l'histoire à soi, comme je disais, puisqu'il insiste beaucoup sur le rôle de son arrière-grand-mère dans la transmission de la mémoire historique dont il est désormais le dépositaire. Et ça, c'est un point important. D'ailleurs, Hollande le dit aussi dans son entretien, de dire que lorsqu'il évoque la Première Guerre mondiale, qui n'est pas évoquée d'ailleurs tellement par les autres, en 2012, on est encore un peu loin du centenaire, je pense que s'il avait été fait pendant le centenaire, évidemment, les choses auraient été différentes, mais l'appropriation de la Première Guerre mondiale se fait par le truchement de la mémoire d'oncles, anciens combattants, dont il aurait reçu, dit-il, le récit. Voilà ce qui est dit. Alors, je voudrais finir par le cas de celui qui était l'ancien président de la République. Et le discours la réponse qu'il avait donnée
était un registre en phase avec ce qu'il considérait être sans doute la sensibilité de son temps, c'est-à-dire une histoire qui s'écrit au cas par cas, en quelque sorte, une histoire faite de l'amoncellement d'exemples, d'individus exceptionnels, dans lesquels, évidemment, le candidat dit se reconnaître. Il le fait, d'ailleurs, il l'avait fait durant sa présidence, hein, par exemple, lors de ses vœux au corps constitué et aux agents de la fonction publique en janvier 2008, Nicolas Sarkozy avait lancé, j'ai pris cette citation, sur un ton un peu espiègle, « Nous, les femmes et les hommes politiques, nous avons nos modèles et notre mythologie. » Et il ajoutait « Gambetta, Jaurès, il met entre parenthèses, cela faisait tant de temps que je ne l'avais pas cité. Clémenceau, Blum, Mandel, De Gaulle, Mitterrand. » Et alors qu'il n'était pas encore candidat à la fonction suprême, dans un grand discours qu'il avait prononcé en janvier 2007, l'histoire de France qu'il présentait se résumait à la succession de visages ou de voix. Il avait, qu'il avait essayé aussi de mettre en scène après, Guy Môquet, Jeanne d'Arc, hein, selon une formule, la France, elle a 19 ans, et le visage lumineux d'une jeune fille de Lorraine. Et il avait aussi égrené d'autres noms, Léon Gambetta, la France toujours, elle a 32 ans, et le visage d'un émigré italien naturalisé français. Jean Moulin, la France, elle a 44 ans, le visage de Moulin quand il meurt sous la torture. Félix Éboué, Émile Zola, Georges Clémenceau, Simone Veil, etc. Voilà les noms qui incarnent la France et qui font partie d'un panthéon personnel. Enrôlement, si vous voulez, de personnages clés pour un roman national, au service, évidemment, d'une ambition politique, et dont beaucoup, notons-le aussi, ont souffert, et dont certains ou certaines sont des victimes. Un dernier mot là-dessus, j'ai à peine prononcé le mot, mais évidemment, la panthéonisation reste un dispositif à la main des acteurs politiques que sont les présidents de la République et dans lequel, évidemment, se lie aussi un rapport à l'histoire. Je fais partie de ceux qui pensent que, et c'est un point qui peut être totalement discuté naturellement, comme tout point d'ailleurs, qui a un peu le sentiment qu'il y a un essoufflement de ce type de rituel, dont on ne sait plus trop quoi faire, dont on ne sait plus tellement comment manipuler, qui mettre au panthéon, comme disait le chanteur pauvre grand disparu, gisant au, je parle de cette belle chanson de Georges Brassens, gisant au panthéon, pauvre cendre de conséquences, vous envierez un peu l'éternel Stivan qui passe ses morts, qui passe sa mort en vacances. Il y a effectivement là une interrogation, et on voit bien que les derniers panthéonisés, à l'exception d'ailleurs de la parenthèse qu'a pu représenter la panthéonisation qu'a fait François Hollande en revenant justement à la Deuxième Guerre mondiale, qui est en train de s'éloigner, mais on voit bien que aussi bien Jacques Chirac, qui avait panthéonisé Alexandre Dumas, que récemment évidemment Joséphine Baker, qui est sur un autre registre, évidemment historique, que les précédent qui avait été panthéonisé. Voilà, je vais peut-être, Anne, je me retourne de nouveau vers toi. Là, je pense que j'ai peut-être vraiment épuisé mon temps et je vais donc en rester là sans la moindre forme de conclusion académique qu'il conviendrait pourtant de faire. Voilà, merci. Merci beaucoup, Christophe. Merci bien. Bon, bah écoute, alors on peut commencer par la fin et peut-être que ça mérite en discussion là de t'entendre davantage sur cet essoufflement
À vrai dire, que je partage, je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons, parce que c'est la première fois que je t'entends là-dessus, mais vu les deux exemples que tu donnes, ça serait intéressant de t'entendre un peu plus sur le caractère particulier finalement d'Alexandre Dumas et de Joséphine Baker, si c'est ceux auxquels tu fais référence comme figure justement de cet essoufflement. Et puis moi, j'avais aussi deux autres questions, peut-être juste pour entamer la discussion autour de voilà, cette réflexion que tu portes sur la question de finalement ce réservoir d'action comme ça qui est sollicité par les politiques pour légitimer, pour justifier, pour s'inspirer aussi dans le cadre de leur mission, avec plus ou moins de... comment dire, aussi d'honnêteté. On est un peu surpris de la liste de Sarkozy que tu viens de nous livrer, je dis ça tout à fait naïvement, mais c'est peut-être pas celle que j'aurais faite correspondre, je dirais, à ses propres actions. Donc il y a, je dirais, l'opportunisme et puis en même temps le vrai répertoire ou réservoir d'événements qui peuvent être inspirants et qui peuvent aider vraiment à la prise de décision dans des moments clés qui surviennent dans des temps où on n'a pas forcément le temps de se forger une réflexion en dehors de ce qui s'est déjà passé, enfin je l'ignore. Et je me disais, alors dans ces cas-là, qu'en est-il quand les politiques se réclament finalement de la table rase? Parce qu'on s'inquiète un peu de ce rapport utilitariste peut-être à l'histoire, mais est-ce que ce n'est pas encore plus vertigineux finalement que de penser un corps politique d'acteurs qui souhaiterait surtout ne pas faire référence précisément à des événements passés, à des expériences vécues à plus ou moins grande échelle et qui peuvent être quand même inspirantes. Et d'abord, y en a-t-il qui peuvent complètement partir de rien? Ça me paraît presque impossible, mais encore une fois, je l'ignore. Et puis par ailleurs, autour de tout ce que tu expliques de manière si intéressante autour de la question du présentisme et de la mémorialité, hein, on peut dire l'obsession mémorielle qui nous caractérise, hein, parce que moi, je ne m'exclus pas de ça non plus. Est-ce que c'est pas... on sent le comment dire la tangente, si ce n'est le danger, enfin le caractère peut-être un peu qui érode finalement le rôle de l'histoire dans notre communauté républicaine là à l'échelle nationale. Je parle de cette communauté là. Est-ce que ça n'est pas aussi, si on veut le tourner en atout, non pas une manière de relancer l'histoire qui n'a pas besoin forcément de ces régimes-là pour exister en tant que discipline, mais en tout cas de la partager davantage, c'est-à-dire que il peut y avoir une perte, il y a aussi peut-être un moyen de qu'elle parvienne dans des endroits où le caractère plus de fonctionnement en miroir peut quand même avoir des vertus qui conduisent vers un intérêt historique et qui n'est pas finalement qu'un désavantage ou une perte finalement vis-à-vis de la discipline. Donc voilà, c'est un petit peu les questions que je me posais après t'avoir entendu sur ces questions, enfin, ces liens entre voilà, savoir historique et intervention politique. Je merci beaucoup Anne pour ces trois groupes de questions. Je vais m'efforcer d'y répondre de la façon la plus synthétique. Alors, je pense que je ne suis pas de ces historiens correcteurs de copies, c'est-à-dire que il y a dans l'espace public, il y a un certain nombre d'historiens qui ont un malin plaisir à pointer les erreurs, les appropriations indues, les détournements, les récupérations, etc. Bon. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je ne pense pas que ce soit leur rôle. Je pense que leur rôle est de faire leur travail, de faire des recherches, de produire des livres, etc. Mais non pas de remplir un rôle qui n'est pas le leur, en oubliant quoi ?
en oubliant tout simplement que dans l'espace public, les acteurs politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas de l'histoire, ils font de la politique. Et ce rapport à l'histoire est un rapport naturellement instrumental, bien sûr. Et tu t'émeus modérément et avec beaucoup de retenue, dont je te félicite, de l'appropriation, des appropriations surprenantes ou des références surprenantes de Nicolas Sarkozy au cours de son mandat et dans l'enquête dont j'évoquais. En réalité, ça ne s'explique que dans le positionnement politique qu'il avait. Alors c'était, si j'ose dire, en même temps, avant l'heure, quoi. Mais que tout président de la République, au fond, dans certaines limites, doit s'employer à faire, de récupérer la mémoire nationale comme un tout, comme un président est président de tous les Français. Il accepte, il ne fait pas son marché dans l'histoire. Il est obligé de prendre tout, ce qui est compliqué d'ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs, ça m'évoquait, ta question me rappelle, je faisais cette citation tout à l'heure dans un séminaire de l'École des hautes études, lorsque au congrès de Tours, les socialistes et les communistes, enfin ceux qu'on allait appeler les communistes, se disputent la mémoire de Jaurès. Et ça a des conséquences, évidemment. Et Blum s'élève contre cette appropriation qu'il juge indue de Jaurès par ceux qui deviennent ses adversaires. Et il dit, Jaurès est à nous. Il est à nous, ses écrits sont à nous, sont à notre parti. Mais il ajoute aussi, mais en le prenant, nous le redonnons à la France. Bon, donc ces jeux-là sont évidemment des jeux politiques et je pense qu'il faut l'entendre ainsi, il faut les expliquer comme cela. Mais comme tu le dis, au fond, je trouve ça plutôt rassurant qu'on fasse encore de la politique avec de l'histoire. Il y a quelque chose d'éminemment humain et qui, au fond, montre que la culture a encore sa place dans un pays et que nous ne sommes pas entièrement dans les mains de communicants incultes. Donc ça, c'est très très bien. Et en effet, enfin, si je peux être normatif, en effet, je suis d'accord de ce point de vue-là. Une personne qui effacerait tout, disant, au fond, on ne parle plus d'histoire, l'histoire c'est le passé, ça ne nous regarde pas. On n'a pas eu encore ça, ce qui serait l'espèce de figure très postmoderne, caricature de postmodernité où nous ne saurions plus rien du tout. Et le présentisme qu'on voit est une menace de ce point de vue-là. C'est vrai. C'est vrai que on peut s'en inquiéter. Je ne suis l'effacement de la Première Guerre mondiale de la Deuxième Guerre mondiale aurait pu être un objet d'inquiétude. Bon, mais on voit bien que même chez un jeune président qui n'a pas un rapport à l'histoire encore une fois identique, il y a eu une grosse consommation d'histoire quand même. Et avec un décalage du côté plutôt de la question coloniale, mais aussi d'autres questions. Je pense au travail qui a été fait sur le génocide rwandais. Donc l'histoire est toujours là et est objet d'un travail politique, quoi qu'on en juge. Bon. Alors je glisse donc sur une autre question que tu posais concernant le système... le système symbolique lié à l'histoire, notamment ce volet commémoratif auquel on
auquel on continue à faire référence sur notamment les panthéonisations. Bon. Moi, je pense qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a on a surtout panthéonisé pendant longtemps, d'abord des militaires, quelques hommes politiques, très peu de femmes, comme chacun sait, et puis quelques grandes figures scientifiques ou de grands intellectuels. Mais au fond, je crois que la grandeur aujourd'hui devient quelque chose de difficile à instituer dans des sociétés, malgré tout, qui se sont très démocratisées. La question, selon la comment on peut fabriquer de la grandeur en démocratie ? C'est compliqué. Et surtout, cette grandeur un peu boursouflée, qui a été liée à une certaine représentation du modèle républicain, une des représentations, car la République a plusieurs visages, mais cette représentation d'une République en quête de légitimité et de grandeur qu'était la Troisième République, ne l'oublions pas, qui succédait à un empire, qui devait notamment dans un contexte international dominé par les monarchies et qui, elle, bénéficie évidemment de rituels bien réglés où la grandeur est théâtrale, admise et nécessaire, d'une République grise. J'ai toujours le cas, tout le monde se moque de moi avec ça, du président Félix Faure, dont on ne se souvient que d'une anecdote, mais en réalité, c'est très intéressant, le président Félix Faure, parce qu'il a posé cette question il a essayé d'inventer une grandeur, mais ça a raté, parce que trop inspiré de la monarchie pour la République. Et quand il va voir les Russes pour la première fois, il dit, au moins, je les ai impressionnés parce que j'ai été grand. Donc, ce régime a donc investi le Panthéon, qui était là, mais qui était un peu tombé en désuétude, qui remonte. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, moi j'ai du mal à penser que ça marche, que ce type de grandeur-là, qui a été inventé, produit dans ce contexte-là, fonctionne encore vraiment. Je ne sais pas si le spectacle de la panthéonisation, je pense qu'il y a des gens qui ont regardé ça de très près, mais a attiré les enthousiasmes, j'ai pas l'impression, mais même les curiosités à la télévision, peut-être, il y a eu peut-être beaucoup de téléspectateurs, ça. Mais je ne pense pas que ça suscite, par exemple, autant d'enthousiasme que les obsèques de Victor Hugo en 1885, 2 millions de personnes présentes, etc. Bon. Donc, on cherche qui on peut panthéoniser. Bon, la classe politique, pas terrible. Les militaires, j'en parle même pas. Des grands savants, bah, y a d'autres systèmes de distinction et de reconnaissance symbolique qui sont de grandes institutions, de grands prix, hein, le prix Nobel, que sais-je. Là-dedans, et puis c'est trop tard, d'une certaine façon, la panthéonisation. Et il me semble qu'il y a une contradiction, justement. Je c'est pas du tout un problème pour moi, hein, mais dans la panthéonisation de Josephine Baker, c'est-à-dire que effectivement c'est une personne, c'est une figure extrêmement intéressante qui peut aider symboliquement à faire des tas de choses, mais il y a peut-être d'autres dispositifs que de la mettre au Panthéon comme on a mis Marcelin Berthelot ou je ne sais quel général de la Révolution française. Donc là, ce hiatus-là, me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et c'est assez curieux, d'ailleurs, que la République, au sens générique du terme, a tellement du mal à inventer de nouveaux symboles de son temps. Vous voyez, on pourrait prendre un autre exemple. Pourquoi la République n'a-t-elle pas su inventer sa propre architecture et a investi les vieux hôtels d'Ancien Régime pour y installer ses ministères? Et ça fait quand même 200 ans que ça dure, quoi. Et que Bercy est l'exception qui confirme la règle. Le Panthéon, c'est un peu pareil, hein, à
Bon, c'est l'analyse un peu rapide que je fais pour te répondre. Et puis, ce que tu disais alors sur les questions mémoire et histoire, qui est, bon, c'est la fameuse remarque que faisait Pierre Nora au seuil du premier volume des lieux de mémoire de 1984, où il disait il n'y a jamais eu autant de commémorations, je crois que sa formule, je cite de mémoire, c'est le cas de le dire, autant de commémorations à un moment où il y a si peu de mémoire, quelque chose comme ça. Bon. Curieux parce que c'est plutôt l'inverse en réalité auquel on a assisté. J'ai pas vraiment de jugement là-dessus. Moi, je pense que oui, il y a quelque chose de très sain au fond à cette affaire de mémoire. Je trouve que c'est très bien. Le problème, c'est qu'il faut pas nécessairement s'y enliser, s'y engluer. Voilà, mais je suis comme toi. Je veux dire, je n'y vois pas que je n'y vois pas de menace. Je n'y vois pas de. Au contraire, d'une certaine façon, et ça peut ouvrir, comme tu le dis très justement, à des tas de choses. Petite remarque d'enseignant-chercheur, je suis évidemment frappé, ça m'avait frappé il y a assez longtemps, de voir qu'il y avait toujours, il était rare, qu'il n'y ait pas un lien, évidemment, affectif, sentimental, ce que j'ai appelé une histoire à soi tout à l'heure, reprenant la formule de nos éminents collègues anthropologues, qui est à l'origine une histoire à soi dans l'histoire savante dans laquelle s'engagent des étudiants. Et je me disais, avec la hauteur professionnelle requise, on voit bien quand même ce repli sur soi. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience que moi, j'avais fait une thèse sur les intellectuels socialistes. Mais que j'avais peut-être un rapport comme ça avec le sujet. Mais dont je n'en avais pas tout de suite eu conscience. Merci, Christophe. Merci beaucoup. Anne-Christine, je te laisse. Je voulais dire, avant d'ouvrir à la discussion avec la salle, si je peux profiter de la situation pour poser en fait peut-être deux questions à Christophe. Effectivement, comme tous les chercheurs en sciences humaines, d'ailleurs tous les scientifiques en général, les historiens se retrouvent dans cette position quand même très inconfortable où, en même temps, vous le disiez, l'histoire est une passion nationale. Leur expertise est contestée par des histoires communautaires par une particularisation en somme du rapport à l'histoire. Leur expertise est dévalorisée et en même temps tout le monde fait de l'histoire ou se rapporte fait référence à l'histoire. Du coup, comment est-ce que les historiens se dépatouillent avec cette question précisément, parce que les anthropologues, les sociologues évidemment sont confrontés d'une certaine façon au même problème, mais ils répondent de façon spécifique. Et au fond, peut-être la question serait quelle est la forme d'engagement que les historiens, en particulier les jeunes historiens qui se sentent effectivement sommés d'avoir un engagement, d'avoir un rapport particulier au passé. Comment est-ce que vous le définiriez ? Alors, je ne sais pas si je vais répondre tout à fait à votre question, mais voilà ce que j'ai envie de répondre, en tout cas. Et je pense que ça reboucle un peu avec la thématique de la transmission. Je pense que disons depuis que l'histoire est devenue, comme les autres sciences humaines, une discipline savante. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Elle a cherché donc son autonomisation
dans l'indifférence absolue de sa transmission, précisément, pourvu que, évidemment, ça puisse circuler dans une communauté savante. Et la reconnaissance, elle était à ce niveau-là. Ce qui était aussi une quête de légitimité, de scientificité, en négligeant tout à fait le reste. Mais en même temps, évidemment, comme le disait Durkheim lui-même, si la sociologie, je parle de la sociologie donc ici, ne sert pas à faire bouger un peu le monde, notre travail, selon la formule bien connue, ne vaudrait pas une heure de peine. Mais les historiens ont été les plus résistants à ça, vous avez raison, les moins interpellés par le monde, bizarrement, parce que même les historiens engagés, je pense, et Dieu sait s'ils ont une œuvre importante et très considérée, aux historiens communistes, par exemple après la Deuxième Guerre mondiale, et à l'apport des historiens communistes à l'histoire de la Révolution française en particulier, ou à l'histoire sociale, ou à l'histoire économique et sociale, leur travail scientifique était, si j'ose dire, d'une parfaite laïcité. Et donc ce qu'on a reproché un peu aux historiens, cette espèce de scientisme un peu sec, un peu négligent à l'égard de la communication, peut être interprété de différentes façons. Enfin, ça serait un nouveau débat. Mais a permis aussi de protéger, d'une certaine façon, la discipline. Hein. Bon. Elle l'a aussi sans doute un peu coupée. C'est vrai que les historiens étaient moins entendus. Je sais pas que les... J'en suis même pas sûr. Enfin, que les économistes, certainement. peut-être aussi les sociologues ou les philosophes. Bon. Parce que un historien vous dit toujours c'est plus compliqué, parce que, ah oui, mais il n'a pas vu. Peu importe. Et dans les 30 dernières années, alors là, je vais vous donner mon sentiment. Moi, ce qui me trouvait tout à fait intéressant chez les historiens, c'est qu'il y a eu d'intenses débats historiographiques qui portaient sur la méthode, des débats tout à fait fondamentaux, passionnants, mais très techniques, très internes. Et quand on est, et les jeunes historiens, moi j'ai commencé à faire sérieusement de l'histoire dans les années 80, ça nous emportait complètement. C'était tout à fait passionnant, et c'est là-dessus. Et ce que j'observe maintenant, c'est que la question qui est posée, même si on commençait déjà à se la poser, mais à laquelle on n'a pas répondu, c'est comment transmettre ? Comment on peut se faire entendre dans la cité ? Une cité qui a besoin d'histoire, d'autant plus que, comme on l'a vu, des acteurs politiques utilisent l'histoire, interpellent. Et comment nous, on peut se faire entendre dans ce brouhaha ? S'apercevait bien qu'en faisant des bouquins savants, en écrivant dans les annales, ou... bon, c'était pas là où on était le mieux positionné. Et ce qui me frappe beaucoup depuis, disons, une petite dizaine d'années, c'est que les questions que se posent, je parle dans l'histoire universitaire, hein, on est bien là, la question que se posent ces jeunes universitaires, ce n'est plus les questions d'épistémologie, des sciences sociales, de l'histoire, ou beaucoup moins, bon, mais c'est la question, comment on peut le mieux transmettre, quels outils, alors, et d'ailleurs, c'est mis en œuvre. Comment faire un bon documentaire, comment intervenir sur Twitter, comment faire de la bande dessinée, comment faire des expos, c'est à ce niveau du spectacle. C'est à ce niveau-là qu'il y a tout un ensemble d'interrogations. Comment peut s'articuler un travail savant avec des modes de transmission adaptés à son temps, qui rencontre un public qui ne soit pas simplement un public savant. Voilà.
Et je trouve, même moi, enfin, personnellement, moi, je considère que c'est voilà, c'est trop tard pour moi. Mais je trouve que, au fond, c'est assez intéressant. Ce sont des questions qui, ils se débrouillent pas mal, quoi. Et on est très très loin des polémiques un peu grossières qu'on voit se répandre aujourd'hui à la Sorbonne, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. J'aurais sûrement d'autres questions, notamment sur la fétichisation de la République, ce modèle très précis de la République. Mais on va peut-être demander à la salle si vous avez des questions et éventuellement on la reprendra après. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions dans l'immédiat. Du coup, on peut peut-être revenir sur cette... Oui, vous n'en parlez pas tellement, vous n'avez pas tellement parlé ici, mais dans l'article que j'ai lu, où vous parlez en particulier de votre expérience de haut fonctionnaire au moment des attentats contre Charlie. Effectivement, et vous faites remarquer que la réaction... a été la réaction à cet attentat par les pouvoirs publics, a été de faire un grand, comment dirais-je, de le centrer sur la question des valeurs de la République. Alors que, au fond, soyons clairs, évidemment, la République n'était en rien menacée, un attentat si horrible fut-il, par cet attentat. Du coup, la question, au fond, la question, c'est d'abord, pourquoi ce modèle-là de la République plutôt qu'un autre, puisqu'il y a effectivement plusieurs modèles possibles de la République et qui piège aussi bien, qui a complètement piégé la gauche d'une certaine façon. Pourquoi ce modèle de la République est-ce que c'était... ces grandes messes, disons, autour des valeurs de la République postérieures à l'attentat, est-ce que c'était un réflexe ou est-ce que c'était une stratégie mûrement réfléchie ou les deux ? En somme, pourquoi avoir centré ça sur l'affaire de la République ? Merci pour cette question. Je pense qu'elle est fondamentale. Enfin, moi, j'y suis évidemment très, très sensible. Effectivement, dans le texte que je vous avais communiqué, je fais état du malaise dans lequel je me suis trouvé comme historien de la République, puisque j'étais le co-directeur d'un ouvrage publié en 2002. D'ailleurs, c'est intéressant. En 2002, qui s'intitulait « Dictionnaire critique de la République ». Et cet ouvrage... Nous l'achevions lorsque s'est produit cet accident politique de 2002, d'avril, du 21 avril 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen est propulsé au second tour de la présidentielle. Et là, rebelote, si j'ose dire, belote, enfin, belote avant, plus exactement. C'est-à-dire que la réponse qui a été mobilisée par la gauche, essentiellement à ce moment-là, ça a été le répertoire de défense de la République, qui est un vieux répertoire. La République, la notion de défense de la République, vous la voyez surgir dès l'affaire Dreyfus, ou même, d'ailleurs, même un peu avant, moins intensément, pendant l'affaire Boulanger, mais pendant l'affaire Dreyfus, 6 février 34, pendant la guerre d'Algérie, et d'ailleurs, à droite aussi, d'une certaine façon, en 68. Donc, à chaque crise politique, on a ce réflexe de défense républicaine qui permet de mobiliser les énergies. Et ça marche, d'ailleurs. Et donc... moi, j'ai observé ça. Je pense que face à la sidération, je parle en janvier
2015. Donc à ce moment-là, j'étais recteur en Normandie. Et comme tout le monde est sidéré par cet événement. Et au fond, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire et on ne sait pas quoi dire. Je me souviens, en fait, il y a eu une réunion d'organiser au lycée Louis-le-Grand de tous les recteurs. Enfin, ils n'étaient pas si nombreux que ça, d'ailleurs. À l'époque, il y en avait 26. Des recteurs de France, en présence du Premier ministre Manuel Valls et de celle qui venait d'être nommée comme ministre de l'Éducation nationale. Et le seul discours qui est servi par le Premier ministre, c'est « La République est en danger ». Donc ça a été la lecture qui a été imposée à ce moment-là, mais je pense que ce n'était pas calculé, je pense que c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire. C'est-à-dire qu'on était totalement démunis. Et il me semble que, parce que en France, quand il y a une crise majeure, on joue ce jeu-là. Alors moi, j'étais très mal à l'aise, en effet, parce que je... d'ailleurs, il y a une formule de François Furet, quelque part, qui montre, d'ailleurs, à quel point l'antifascisme a aussi fonctionné un peu comme ça. C'est-à-dire que quand la gauche est perdue, elle se réfugie, quand elle n'a plus rien d'autre à dire. Mais on pourrait dire d'ailleurs la même chose de l'anticléricalisme. Alors ça nous renvoie dans des périodes plus reculées. Mais au fond, c'est des espèces de oui, vous, je ne sais plus quelle était votre formule, mais de réflexe, vous avez dit, je crois, de réflexe comme ça, de... qui est une réponse au vide, à mon avis. Bon. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, il faut aller un petit peu plus loin. Et ce que vous appeliez à juste titre le fétichisme de ce modèle républicain-là, ça, c'est une histoire plus récente. D'abord, justement, quand on a fait le dictionnaire critique de la République, on s'en entendait critique... au sens kantien, d'une certaine façon, d'analyse, d'exercice de lucidité, et justement avec l'idée que on récusait cette notion de modèle républicain qui court encore, hein, le modèle républicain. Sauf qu'entre la Première République, la Deuxième, la Troisième, la Quatrième et la Cinquième, il y a des choses tellement différentes, il y a des cultures républicaines tellement différentes... que ça n'a pas de sens. Or, quand on dit modèle républicain, en effet, le modèle implicite, c'est ce que l'historien Claude Nicolet appelait le modèle athénien de la République. Ce qui est une jolie formule et que je prendrai volontiers à mon compte. Et donc, ce modèle athénien de la République, qui était totalement défraîchi, entre parenthèses, dans les années 60 et 70 du siècle dernier. Parler de la République dans les années 60... on se tapait les cuisses, hein, c'était bon. Et personne ne serait allé chercher ce vieux machin qui renvoyait à des vieilles barbes d'un autre temps. Or, il se passe des choses concernant la culture politique nationale à partir de la deuxième moitié des années 70, surtout à gauche, avec l'effondrement définitif de l'espérance communiste qui d'une certaine façon irriguait toute la gauche de façon différente, mais bon, et une gauche qui arrive à ce moment-là précisément au pouvoir avec des horizons doctrinaux, historiques d'un temps qui est en train de mourir. Vous vous souvenez de Mitterrand qui se déguisait presque comme Léon Blum, quoi. Et dans les années 80, tout ça est en train de s'écrouler. Donc, elle se retrouve sans référent. C'est-à-dire que, vous savez, cette petite musique,
la gauche française n'a pas fait son Bad Godesberg comme la social-démocratie allemande qui a liquidé son passé en quelque sorte. La gauche, au fond, n'avait pas en effet réfléchi à tout ça. Elle s'est trouvée démunie et elle s'est repliée. Il y a un acteur politique qui a joué un rôle essentiel dans cette affaire-là. Je parlais de Claude Nicolet. C'est pas aussi par hasard parce qu'il était connecté à lui, c'est Jean-Pierre Chevènement. Et Jean-Pierre Chevènement, qui en plus devient ministre en 84 de l'éducation nationale, va jouer un rôle moteur, pas lui tout seul bien sûr, hein, mais dans la remise au goût du jour d'une République. Puis après les mouvements antiracistes aussi, de mouvements antiracistes, mais universalistes, appelons-le comme ça, SOS racisme, qui aussi se raccroche à une vision enchantée de la République, universaliste. Bon. Et du coup, ça a figé tout ça sur une base de grands malentendus, de grandes ignorances, de grands raccourcis, toutes sortes de choses qui se sont produites, mais qui sont restées aujourd'hui, en effet. Je pense que ça fonctionne encore, ce terme de modèle républicain. Et d'ailleurs, là, encore une fois, la question de la laïcité, évidemment, qui est liée derrière à ça, qui est toujours active, qui avait été réactivée en 89 avec l'affaire du voile, enfin, toutes sortes de choses-là, s'est greffée là-dessus. Et du coup, peut-être que sans cette affaire-là, d'ailleurs, peut-être que si la laïcité n'avait pas eu un coup de jeune dans ces conditions-là, la République, on aurait conduit. Mais tout ça a convergé et a, en effet, redonner du souffle à cette Troisième République. Attention, d'ailleurs, c'est plutôt la première séquence de la Troisième République. C'est celle de l'école de Jules Ferry, celle des premières lois sociales, de celle qui reconnaît Dreyfus innocent, etc., etc. Celle d'après, elle a moins bonne réputation, quand même, hein, faut bien dire. Mais c'est ce grand mécanisme-là que je décris évidemment avec trop de hâte, mais qui explique que, en effet, on a figé, comme vous dites fort bien, cette séquence historique en un modèle qui est la référence ultime de la classe politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs pour le coup. Anne, tu as des questions, d'autres questions ou s'il y a des questions. Vraiment, hein, il y a juste une petite chose, peut-être si je prolonge un tout petit peu, parce que je regarde l'heure attentivement et il ne reste que 2 minutes, et peut-être juste en t'écoutant sur cette dernière chose, Christophe, quand tu dis la réponse finalement lorsqu'il y a stupéfaction, on peut dire, face à l'événement qui est celle de dire on agite, je dirais, la République comme une, enfin, ou sa menace plus exactement comme un moteur pour se créer une forme de solidarité et d'élan qui est recherché en chacun de nous, voilà, une appartenance précieuse, collective, précieuse, par-delà finalement les intérêts particuliers. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi parfois qu'on crée des menaces à cette République aussi pour essayer d'aller chercher ce ressort quand il n'y a pas lieu de l'avoir finalement menacée? C'est-à-dire que c'est là où il faut faire le tri, c'est là où se dissout un peu peut-être pour certaines générations, je vais le dire comme ça, la vigueur de ce modèle-là à partir du moment où il a été agité quand il n'y avait pas danger, finalement. C'est une question, ça n'a pas l'air, mais c'est une question. Non, c'est un commentaire que je partage. Anne, je pense qu'en effet, du coup, on risque, en figeant les choses, encore une fois, comme ça, de les rendre répulsives, quoi. C'est-à-dire que c'est une espèce de réponse automatique à ce qui n'est pas un modèle, mais ce qui est au mieux une épopée, peut-être, ou surtout une histoire, avec tout ce qu'elle comporte
de séduisant et, de, et aussi de moins séduisant, voire de tout à fait répugnant. Je veux dire, le, juste une petite anecdote, quand, quand Hollande a été élu en, en 2012, il avait choisi de faire un discours devant Jules Ferry, devant la statue de Jules Ferry qui se trouvait au musée, dans le jardin du Luxembourg. Et c'est très curieux parce que moi j'avais alerté à ce moment-là en disant attention quand même, parce que Jules Ferry, bon, lui son idée c'était, c'était l'école, mais il y a autre chose dans, dans Jules Ferry. Et d'ailleurs ça n'a pas raté, du coup la polémique a marché. Bon, voilà. Mais ça c'est normal, je veux dire que les choses se produisent comme ça. Mais en insistant, en dissimulant justement, je dirais l'autre Jules Ferry ou l'autre face de la République, je pense que le soupçon s'introduit et les grandeurs sont effacées au profit évidemment de ce qui est moins bon. Par définition, je disais que les historiens sont pénibles parce qu'ils sont pas, ils ont un peu de mal avec la normativité. Enfin, quand on les convoque comme historiens, après ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils s'en privent pas d'ailleurs. Mais oui, je te rejoins volontiers sur ton constat. Et puis juste une dernière chose, peut-être, Christophe, tu as exercé des fonctions diverses. Est-ce qu'il y a un lieu où se produit la transmission plus que d'autres, où ça compte plus, où l'impact de l'historien, ou du recteur, ou du conseiller est plus phénoménal, ou plus, que tu as ressenti plus vivement que dans d'autres lieux, où tout ça participe, pour toi, il était important dans ta carrière d'intervenir sur ces trois plans, je dirais, pour être plus sûr d'œuvrer à des formes de transmission. Écoute, si je suis très honnête, ces deux expériences que j'ai trouvées évidemment passionnantes, mais ça rend très modeste. Hein. Non, j'en viens toujours à la même chose. Je pense que les personnes les plus importantes pour la transmission encore aujourd'hui, quoi qu'on dise de la multiplicité des sources, sont les enseignants. Ce sont les enseignants dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, sur lesquels repose une responsabilité majeure. Et c'est grâce à eux, je pense, que la transmission juste se fait. Après, l'accès au savoir est tellement maintenant ouvert, mais c'est un tel désordre que le rôle des enseignants, justement, est là pour remettre de l'ordre, de la cohérence, de la logique, du sens. C'est d'ailleurs un métier de ce point de vue-là qui est de plus en plus difficile parce qu'il appelle évidemment un savoir exigeant, mais des compétences nouvelles, justement face à la concurrence de l'offre de connaissances partout. C'est très bien d'ailleurs, il y a de plus en plus de documentaires à la télévision, sur Internet, partout. Enfin bon, ça c'est très très bien, mais il est absolument indispensable que des enseignants spécialisés soient là pour coordonner, au fond, tout cela. Moi, là où j'étais, bon, il y a peut-être des petites choses qui sont passées comme ça, mais franchement, pas très importantes. Hein. Encore merci, Christophe, de ton intervention ce soir et pour ouvrir notre grand cycle donc, sur l'école au sein de ces conférences sur la transmission. Un grand, grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes.